Coucou! Quel jour sommes-nous? Vendredi 17, il est 7h36. Je pars au boulot et c'est la dernière journée. Enfin, la dernière journée. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Donc voilà. Je vous avais dit que ce week-end, donc on partait dimanche, donc ça c'est tout d'actualité, pardon. Je vous avais dit que samedi, on allait à Paris voir nos cousins de Nantes, qui viennent sur Paris. Mais donc le programme a changé, on y va en fait ce soir, donc vendredi soir. Je rentre du boulot, je prends une douche, je me change, je me rafraîchis, tout ça. Et on part à Paris et on mange avec eux. Parce que finalement, le samedi, ils sont pas disposés, ils avaient prévu autre chose. Et du coup, voilà, donc on se fait ça ce soir. Donc comme ça, j'aurai le samedi voilà, tranquille pour finaliser. Donc c'est pas plus mal en un sens. Voilà, donc je suis contente. Bon, j'espère que je vais pas être trop fatiguée parce que hier soir, je me suis couchée. J'ai plus 9h15, 9h30. J'ai bouquiné un peu jusqu'à 10h et après, j'ai essayé de m'endormir. D'ailleurs, j'ai pas réussi, mais j'étais fatiguée et je dormais pas. Ça, c'est horrible. Donc j'ai très mal dormi, bref. Mais je me suis réveillée tôt ce matin, horrible. Donc voilà, mais après une fois que je serai dans Paris, une fois que je serai dans le truc c'est de rentrer, de se préparer, de partir, mais une fois que je suis là-bas avec eux, ça va être sympa quoi, je suis super contente de les voir. Donc voilà. Donc aujourd'hui il va faire beau et chaud normalement encore, d'après ce que j'ai compris. Et donc ce soir je ne filmerai pas à Paris, je pense pas. Et puis voilà, puis après, j'arrive pas à y croire, les amis, c'est un truc de fou, tellement je les ai attendus. Je dois vraiment vous saouler, mais je comprends, hein, mais vous pouvez pas imaginer que, enfin, vous pouvez, je sais pas, mon état d'esprit est très bizarre, bref. Allez, je reprendrai plus tard. Vous savez quoi? Il est 15h40, je pars. Donc 15h40, hein, donc 14h moins. Attends, tu es en vacances, ça y est. J'en ai été longue. Enfin, longue. Ah, je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Je suis soulagée, là. Je vais pas dire que j'ai envie de pleurer. C'est pas ça. Mais j'ai un soulagement de ouf. Ah, oh, putain. J'ai l'impression que toute ma fatigue s'envole. Et en plus, voilà, je rentre. Voilà, quand j'ai le temps, avant qu'on parte à Paris ce soir, de faire... de me poser et tout, donc on va partir à Paris, ça va être génial. Donc je vous l'ai déjà dit, je pourrais pas filmer, mais c'est pas grave. Ah là là, putain, ça y est, j'ai fini de vous saouler. Mais bon, allez, à tout à l'heure ou à demain. On part. Bon, finalement, j'ai pas pris de douche, rien, enfin, mais ça va, j'ai pas trop transpiré aujourd'hui. J'ouvre la barrière, je sais pas comment je filme là, mais je vois rien. Il est à peu près... Ah, j'arrive jamais à la coincer celle-là, putain. 4h30. Hop. Voilà. Il y a du vent. J'ai emmené un petit gilet, on sait jamais, pour ce soir. Hop, il y a un monsieur qui passe. Il va dire que des bonjours maintenant. On s'est arrêté de prendre de l'essence. Là. Il m'a dit que je pouvais filmer ce soir, mais au moins les paysages, quoi. Mais je sais même pas si je vais oser faire ça. Faut être bête. Hein. Une petite dédicace à Mimi. Parce que je sais qu'elle est un peu pareille. On voit pas la ville là, où est-ce qu'il est. On va être au tête. Voilà. On est super content d'aller à Paris, super content de voir les cousins. Et en fait, je suis pas trop fatiguée. Je pensais être, enfin, je pensais être fatiguée ce soir, mais là, je suis tellement contente de les voir et de qu'on sorte. Je trouve vraiment sympa et comme je suis en vacances, c'est trop. La belle vie, mes amis.
Moi, je vous dis à plus tard, on verra si je filme des trucs ou pas. On est à la Défense et on va rejoindre les cousins. Et on ne sait pas où ils sont. Donc on va les chercher.